Max et Imnod. Bienvenue au centre de formation SynDog. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai toujours des envies de faire changer les mentalités, etc. Tout doucement, j'arrive à faire changer des mentalités dans le monde canin. Aujourd'hui, je m'attaque à un autre sujet, c'est le sujet des chiens et les quartiers. Il y a certains éducateurs qui ont fait des interviews avec des personnes des quartiers et qui se sont servis d'un manque de connaissances pour en faire une image. Et faire un mélange d'amalgame, etc. Moi aujourd'hui je m'adresse au quartier directement, je m'adresse aux rappeurs, ceux qui font la musique, qui se sont servis tôt ou tard d'un chien dans un clip. Voilà, je m'adresse à vous, j'ai un projet en tête, j'ai un projet que si vous avez entre 18 et 20 ans, 22 ans, je vous offre une semaine de formation que sur le staff, le pitbull, de la pratique. Je vous offrirai au bout de cette semaine un permis de détention avec une attestation de formation. Le but est que vous soyez le porte-parole dans le quartier, c'est-à-dire que si vous côtoyez des gens qui ont des chiens, etc., vous allez pouvoir leur donner des conseils utiles et du coup faire changer les idées. Le but, c'est ça. Le but est aussi, peut-être que si des jeunes ne trouvent pas de sortie, qu'ils aiment déjà les animaux, etc., ils peuvent peut-être trouver un échappatoire, voire construire un métier à travers le chien. Donc c'est un projet très important. Donc j'invite des jeunes à me contacter. La formation est bien sûr, elle est offerte, parce que le but est de faire évoluer les choses et que l'évolution, elle est plus importante que le matériel, tout simplement, que les gens arrivent à se servir d'une image pour en faire ce qu'ils veulent et que la réalité, c'est pas forcément ça. Donc, si le projet vous intéresse, peut-être que ça se fera pas, mais en tout cas, si le projet vous intéresse, je vous invite à prendre contact avec moi et à incorporer un stage le plus rapidement possible. Ça sera toujours un bagage de plus et si en plus vous trouvez un métier, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Voilà, le fonctionnement du chien et le fait de pratiquer un stage, ça va vous apporter déjà une connaissance sur un fonctionnement animal et personnellement ça va vous apporter quelque chose aussi, tout simplement parce que le fonctionnement du chien correctement analysé peut vous faire évoluer, que ce soit professionnellement ou que ce soit en vous quoi, dans votre tête ou dans vos émotions, etc. Le chien, il a un statut particulier, mais pour des professionnels comme moi, c'est beaucoup plus que ça. Et je vous invite vraiment à découvrir ce fonctionnement animal qui peut vraiment vous apporter quelque chose de plus, quoi. Donc restez pas, si vous êtes bloqué, il y a beaucoup de rappeurs qui utilisent bloqué en bas, c'est-à-dire bloqué en bas de chez eux. Je vous tends une perche pour essayer de voir si le chien est capable de vous apporter quelque chose au point de vous débloquer. Vous voyez ? Si vous voulez tenter votre chance, voilà, moi je suis à fond, vous n'avez rien à perdre et je pense que c'est un beau projet. Voilà, merci à tous. Je reviens aussi sur les rappeurs, parce que les rappeurs, ils ont beaucoup de poids et les jeunes, ils sont toujours à les écouter, etc. Donc,
peut-être pour une fois, au lieu de les inciter vers le mal, on pourrait peut-être les inciter vers quelque chose d'intelligent, sans être péjoratif, mais quelque chose de moins violent peut-être, et peut-être plus utile pour leur avenir. Et pour une image qui porte préjudice sûrement à certaines personnes. Voilà. À bientôt.